Bonjour, c'est Grifox. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Forge de Magie. On s'attaque cette fois-ci à Débotistique. Donc, on continue le stuff de poux du Steamer. En tout cas, c'est à ça que ça va être destiné dans un premier temps. On a un puits PM, on a 86 de puits. On va essayer de faire un Exorester et on néglige les deux neutres sur cet item. Comme c'est pour du Steamer de poux, voilà, on n'a pas besoin des deux neutres. Mais je m'en servirai peut-être quand même pour remonter un petit peu le puits à l'occasion. Bon, on va commencer par enlever Vita, il n'y a pas trop le choix, ça passe, moins 10. On va enlever avec une petite rune réécrit. Qui passe, ok, ça commence plutôt bien. Ça commence vraiment bien. Ok, la force à 40. Ah, 50, pardon. Ok, on a un crit, oh, moins 6. Les réécrits, on va aller chercher les 30 réécrits. C'est pour ça que je suis allé à 21. Et on a un triple succès critique. Alors ça, c'est plutôt bienvenu. On va mettre la passe à crit également. Bah, si ça me fait ça sur tout l'item, ça va très bien se passer. Moins 10 là-dessus. Et bah, décidément, ça passe plutôt bien. Hein. On a déjà les 12 soins, c'est parfait. La res R qui crit également. Alors c'est les pas d'Oppo que je voudrais voir crit surtout. Hein. Ouais, dommage. Moins 45. C'est quand même pas mal dans l'ensemble. Hein. 13 de puits, donc on a un restant. Je crois pas que j'en avais d'avant, j'avais regardé un petit peu. Je vais donc faire une tenta juste sur deux linées, des fois que je puisse aller à 49. Voilà, donc ça me laisse deux tentas rester. J'aime bien. Hein. Et une, deux. Ah, dommage. Dommage, donc dans les cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On tente une reste distance en crit. Ça aurait pu. Bon, bah tant pis. 80 de puits ici, alors la vita va bien tomber, ça c'est la bonne nouvelle. Hop, surtout si ça crit. La force qui passe aussi, et décidément on a beaucoup de crit sur l'item, j'ai l'impression. 4 moins 8, bon on perd un peu de puits là sur les récris, mais ça va, il y a pire. Et on peut aller chercher les 30. Toujours hein, calculer pour tomber pile. Là j'ai moins 12. Les deux feux, c'est parti. Moins 15. Bon, ok. C'est les deux poux hein, qui vont être déterminants, bien sûr. Ah, moins 30 pour passer 1, c'est triste ça. Là, il nous faudrait un double crit sur la patte de poux, mais du coup, j'y crois plus trop. Et il nous faudrait un crit là. Dommage. On peut retenter un crit aux deux feux. On peut tenter un crit aux soins. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'on a eu là? Donc on était à 0. C'était au dos feu là que j'avais tenté. Hein. Donc normalement là j'ai plus 3. Là j'ai plus 5. Donc j'ai 8. Avec 8 on fait quoi? On tente deux runes intel. Oui ça doit être ça. Hein. Deux runes intel. Et une réperter. Oh voilà, c'était le c'était la tentative bricolée de Grifox, mais on s'en sort avec un truc correct, parce qu'on a un PM là-dessus. On n'a pas de PM. 88 depuis ici, alors on commence par une ravie. Oh, j'espère que ça va passer, j'ai pas envie d'aller racheter des runes. Yes. C'est bon, on a passé le pire du FM. Donc, moins 10. On va retirer sur une ini. Moins 10, allez, on va monter la force. Moins 3. Nickel. Les réécrits là, qu'on va monter à 30. Et encore une fois, c'est les deux poux qui me font un peu peur. Je vais même les passer tout de suite, hein, les deux poux. Allez. Une. Oh, nice. Ça m'a pas défoncé mon item. Ça c'est cool. Ah, ça prend du puits quand même. Hein. Moins 30 là-dessus. Il nous reste le double pas de poux, j'ai un peu peur. On va retrouver le courage de le faire. Bon, j'ai 35 de puits. Si je pouvais avoir un petit succès crit. Et une qui passe. Ah, dommage. Dommage, c'était pas trop mal. Ah, là, bon, j'ai quand même encore un truc qui est potable. Enfin, bon, potable, je peux tenter une réparade de distance. Des fois que. Hein. Et encore une fois, c'est le soin qui dégage. C'est marrant, ça fait toujours ça.
Et là, bon, à moins qu'on ait un double crit sur le soin, je pense qu'on peut dire que c'est plié. Dommage. 86 depuis là-dessus. On va y aller à la rafo. Je vais laisser la vitalité pour la fin. On va gérer ça au final. On verra ce qu'on en fait. On a moins 10. L'intel qu'on va monter à 48. Moins 6. Les ricris, du coup, j'avais dit que j'avais fait de la merde à les mettre à 28. Il va falloir over. On perd du puits là-dessus. Bon, ça va, c'est pas trop violent. Mais c'est quand même pas terrible. Que je vais enlever là, avec ça, par exemple. Hop. Ensuite, Dofeu. Ça passe. On a moins 3. On a moins 8. Les deux poux, c'est parti. Ok, ça passe encore bien. Nous laisse 40 depuis. Bah, il va nous falloir que ça passe, hein. Ok, on a un crit, ça c'est cool. Donc, moins 15, et ça me laisse 25 depuis. Alors là, c'est le moment où on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec nos 25 depuis, sachant que la vitalité là, elle est quand même pas top. Ce qu'on va faire, c'est que on va tenter les ravis. On va partir plutôt là sur un over vitalité sur cette tentative. Ce qui veut dire que je vais faire une pavie, la pavie ayant très peu de chances de passer, et deux ravis derrière. Donc ça va me laisser deux de puits, donc je vais faire deux tentatives intel. Allez, c'est parti. Une et deux. Ensuite la pavie. Hop, et deux ravis. Si je pouvais en avoir juste une qui passe, ce sera nickel. Une et deux. Yes! Bah, si on a le PM là-dessus, on est good, hein. Dommage. 83 depuis ici. Alors là, j'ai les deux poux à 23, ça c'est infernal. Donc il va falloir les passer à 25, c'est quasi sûr que là je pourrais rien faire de la tentative. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, bon, ça sert à rien. Ça sert clairement à rien. On va essayer de remettre le PM et on verra pour remonter le G. 81 depuis là-dessus, alors à nouveau on va laisser de la vitalité pour la fin. On va commencer par les deux poux cette fois-ci. On va changer un peu. Je les gardais plutôt pour la fin avant. Bah, il semblerait que ça me réussisse plutôt. On a un succès crit et un succès neutre. 66 restants. Allez, on va y aller de bas en haut. Moins 6. Moins 5. Bah, en soi, on n'est pas trop mal, hein. Ouais, ça passe bien, hein. Ça passe assez bien. 49 de puits, alors là c'est le moment où on espère avoir eu un petit puits qu'on a raté avant. Là j'ai moins 1, là j'ai plus 1, oh j'y crois pas trop, à mon avis là on est à 0. Ouais, c'est quasi sûr que j'ai que 49, alors je pourrais tenter 3 pavis, 4 avis. Ce serait une option. Ou je peux tenter un succès crit à la Runini pour essayer d'avoir 5 tentatives à vie, et je pense que c'est ce que je vais faire. Ok, là j'ai moins 2, 47, ça m'arrange pas tout ça. Bon, je vais tenter des petites runes intel là, des fois qu'on puisse, hein. Là j'ai moins 2, 45, bon bah allez, deux tentats intel. Une tenta pavie et 4 avis. Une, deux, trois et 4. Et voilà, ça c'est la logique de Dofus. Vous avez une ou deux tentas ravis, il y en a une qui passe, vous en avez 4, il y en a 0. C'est bien, c'est bien. Bon, bah là je vais en tenter une en crit, hein, j'ai pas trop le choix. Ok, je peux tenter des choses, mais là c'est un peu flingué. De terre qui repasse pas. Ah, on a un crit, si je peux avoir un crit sur la passe, ah, bon. On peut tenter un truc. Ouais, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Crit à la ravie. Non. Bon, tant pis. Bon, bah là, je viens de balancer une Rasa. Bien sûr, ça passe pas. Ça fait tomber le PM. Alors, ça fait 1 heure que j'attends plus PM. Et j'ai déjà plus que 50 depuis. C'est bien. Bon, allez, je vais retenter une, hein, au point où on en est. Ok, c'est la crit. C'est honnête. C'est honnête. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on monte la force. Je crois pas trop, hein. 9. 12. Monter les récris. Ouais, quoique, si on a un peu de crit sur les pas d'opou, ça peut le faire.
À moins 18 ici. Ouais, en fait, il nous faudrait double crit à la fin de pou, quoi, pour avoir deux tentats ravis, ce qui serait correct. Dommage. Dommage, et j'ai dû compter mon puits comme une quiche, effectivement, oui, je suis parti du principe que c'était 80, la PM, c'était 90. Donc j'avais 30 de puits, excusez-moi, j'ai... Ouais, je sais pas, je me suis dit PM 80, tranquille. Peut-être parce qu'avant, je l'avais fait tomber avec une rune soin, donc il me restait 80, bref, je me suis un peu embrouillé. Donc là, il va nous falloir un petit succès crit à la pas de pouce, j'y crois pas. Hop, voilà, fini. 89 de puits là-dessus. On va commencer par la force. C'est bien ça. Ça pique, hein. Moins 27 pour ça, on est content de faire de la FM, tout va bien. Allez, on enchaîne, on baisse pas les bras. Moins 2. Bon, j'espère que je vais avoir un peu de critique sur les deux poux pour compenser, parce que là je suis un peu triste, hein. Et voilà, moins 45, c'est bien. Ah là là. 86 depuis, après avoir défoncé l'item, là on a un truc complètement merdique, on va essayer quand même d'en faire quelque chose, mais j'y crois absolument pas. Allez, zouf, la force, allez, ça va encore me taper 40 milliards depuis. Alors bien sûr, sur un jet comme ça passe. Moins 6, ensuite l'intel. Ok, ça crit. Un petit crit à la Rainée, ce sera aussi apprécié. Ah bah, il suffisait de demander, c'est nickel. Moins 10, les réécrits, on va monter à 21. Ok, bizarre, moins 4. On a de l'échec et du crit successivement, c'est pourquoi pas, c'est un style. Allez, une, deux, et trois, moins 18. On va arriver aux deux poux, on aura 0 de puits, c'est nickel. Pas ça. Ah bah, voilà, moins 18 à nouveau. Les deux feux, on y croit. Ok, ça passe à peu près, moins 10. Il ne manque qu'un soin. Ok, ça crit. 22 poux. Enfin, 22 puits, pardon. Il va nous falloir du crit. Alors, en vrai, si j'ai 3 crits, j'ai 2 tentats ravis, ou alors 3 tentats res, et puis on n'est pas trop mal, hein. Se complique, les amis. Est-ce qu'on a un petit crit là? Est-ce qu'on a un crit? Eh, c'est qui le patron? Ok, donc j'ai 5 de puits, et en fait je pense que j'ai une tentarèse, hein, puisque j'avais dit que j'avais un peu de puits, un rat probablement d'avant. En fait, je vais même pas compter, je vais balancer une rester, on va y aller en mode olé olé, hop. Passe pas, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va tenter la petite rune reste distance, hein, une fois qu'on a un crit. Hein. Ça finirait bien par m'arriver un jour à force de tenter. Putain, je sens qu'on va se taper des barres sur live. Allez, zou! Ah! Au moins c'est passé, hein! On reste distance. Est-ce qu'on fait le fou en temps de remettre le PM? Allez, zou. Allez, voilà, de toute façon il y avait 24 de poux, sans regret. Ouais. 88 depuis. C'est parti. Petite pafo qui passe, moins 3. Les réécrits, ouais, qui vont arriver là sur 30, nickel. On va commencer par peut-être le 2 poux qui va être potentiellement le plus dur à passer. Ok, moins 10. Et là, on y va tranquillement. Ok. 24 pour les réécrits. Bon, ça prend du puits, mais ça va, c'est correct. Moins 5 ici, le dos feu. Je vais mettre le dos neutre parce que comme on est à 9, tant qu'à faire. Voilà, bon, moins 5, ça passe. Comme ça, on aura vraiment un jet qui sera bien. Je vais mettre res-R et puis on va laisser le plus dur pour la fin. Ah la vache. Non! Moins 30 pour la res-R, quel dommage. Bon bah du coup, on va pas pouvoir terminer. C'est triste. Ah, ça, si t'as tapé dans les deux neutres, il y aurait peut-être eu moyen de faire un truc. Ouais, non, c'est mort. 89 depuis là-dessus, on va devoir faire un over-vita, on va commencer par ça. Moins 10. Je vais enlever l'over avec une réécrit, c'est parfait. Si ça pouvait passer, nickel. Comme ça, je suis congru à 30 modulo 3. Je vais faire la petite force. Ouais. Moins 6. Moins 9.
Allez, réécrit Dopu et on est bon là. Moins 30 là-dessus, c'est un peu triste. Surtout les deux poux qui me font peur. Hein. Ok, crit. Oh, ça commençait bien. Putain, le double échec quoi. C'est bon, j'en avais les 35 sagesse, c'était beau. 86 depuis là-dessus. C'est parti pour la ravie. Ok, moins 40, c'est cool. On passe un bon moment. On va enlever avec une petite rune force qui passe. Allez, la réécrit. Moins 4. Ok. Moins 30. C'est nickel, hein. On va aller loin avec ça. Allez, c'est fini. 81 depuis là-dessus, on va commencer par un over Vita, pas le choix. Ok, moins 30. Les Ricris, je vais les laisser à 18, c'est bien comme ça. Donc je vais partir sur une rune res neutre pour enlever l'over. Ok, ça passe pas, dommage, on aurait pu récupérer depuis là-dessus. On va y aller sur les Ricris ensuite. Ok, moins 24, bon ça passe en succès neutre. Il va nous falloir un petit peu de chance sur les deux poux, hein, comme d'hab. Moins 9 pour la sagesse et on va être short, on va être short en termes de puits une fois de plus. Pas évident de ces bottes. Hein. Moins 5 ici. SR, il nous reste 7. Bon bah, à moins qu'on ait une série de coups critiques incroyables. C'est mort. 86 depuis là-dessus. On va commencer par. Ouais, je vais laisser la vidéo pour la fin, peut-être cette fois-ci. On va avoir un over de 26. Et j'ai pas de rune d'eau à passer, donc je vais garder la vita pour la fin. On va commencer par la force, ok, on a un crit. L'intel, ça passe, moins 10. Les récris, pareil, j'avais anticipé pour qu'elle soit à 30 tout pile. Ok, crit, crit. Oh, c'est pas mal, moins 6. Ça commence assez bien. Bon, la sagesse, on n'a pas le choix de la laisser à 34. Les deux poux, là, chose la plus compliquée. Ah, je pourrais quand même mettre la vie. J'hésite un petit peu sur ce que je fais avec la Vita. Non, je vais passer les deux poux et puis je verrai comment ça se passe. Ok. 10, 15, 20, 25, ok, moins 25 là-dessus. Il va nous falloir. Ok, j'ai de quoi tenter 3 pas de poux. Si ça pouvait. Ok, on a un crit, est-ce qu'on a la deuxième qui passe? Allez! Yes, moins 30. Ah, je dis yes, mais il reste la vita, merde, j'avais oublié. Bah, du coup, c'est chaud là. C'est plutôt chaud. Il va falloir y aller à la ravie. Je pourrais tenter pavie et ensuite ravie. Ou alors je peux tenter deux pavis, enfin deux ravis je veux dire, et puis en espérant que la deuxième elle passe à moitié ou je sais pas quoi. C'est la merde là, il nous manque un tout petit peu. Je sais ce que je vais faire, je vais être un petit peu ambitieux et puis je vais tenter une rune dommage. Dommage haut par exemple, il n'y en a pas sur l'item. Comme ça si ça crit, ça me fait plus 5 depuis, et j'ai deux tentats ravis. Allez, je suis un gars comme ça, j'ai peur de rien moi. Allez. Ah ça n'a pas crit, j'y ai presque cru hein. Je peux encore tenter d'avoir un crit, mais bon, là on est statistiquement sur quelque chose de très faible. Ok, bon, bah j'ai juste une tenta ravie. Ça se tentait, hein, en vrai, bah, ça passe pas. Bon, bah, à pile, on a le crit, mais alors, comme d'hab, le crit qui sort quand tu n'as pas besoin. On peut tenter encore un crit, si on a un crit là-dessus, on aura un jet sympa. Voilà, pas de regret, hein, c'est la meilleure chose à faire. Donc, une fois de plus, ça passe pas. 80 depuis là-dessus, bah, le jet a presque pas bougé par rapport à avant. Ah, si, quand même, il faut remettre une petite pas faux. Je vais commencer par les deux poux dans le doute. On va y aller full pas de poux. Il nous en faut 5. Hein. Allez, on va essayer d'avoir de la chance. Ok, ça commence plutôt bien. Ouais, non, c'est la merde. Moins 45. Bon, bah, je crois que c'est la fin de l'histoire. C'était une petite passe en crit. Et non, 84 depuis là-dessus, on a 23 de poux, donc j'y crois pas une seconde. On va quand même essayer d'avoir de la chance, mais à mon avis. Jamais de la vie, on aura les 25. Hein. Sachant qu'on peut pas over, hein, comme les deux poux ça pèse 5, on peut pas aller au-dessus de 20 en over. Ah, on en a un petit crit là. Effectivement, hein, c'est les crits qu'il faut chercher. Hein. C'est plutôt en succès critique qu'en succès neutre que ça peut passer. Et c'est fini. 84 depuis là-dessus, il manque quand même beaucoup de choses sur l'item. Hein. J'ai pas eu le temps de remonter le G comme j'aurais voulu. Bon, on va quand même essayer de faire avec.
Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt remonter les choses dans l'idée que si des fois je peux pas aller jusqu'à un Exorez, au moins j'aurais bien remonté mon G. Donc là on a déjà moins 15 pour les dommages. On va remonter les deux poux tout de suite à 19. Ça crit, c'est bien, j'aurais préféré un crit avant pour avoir les 25, tant pis. La sagesse qui passe, moins 9. Les récris, on va mettre ça à 12 pour être congru à 30. Ok, ça crit, parfait. Ensuite, les petites païnées, moins 3. Il y a la vita qui me fait un peu stresser. La vita, je vais devoir y aller en over, je pense, hein. Allez, ouais, parfait, je vais arriver à 414. Si ça veut bien passer. Moins 40, ça picote. Et là, comme ça, avec la petite pas faux, j'enlève l'over vita. C'est nickel, toujours avoir un peu d'anticipation hein, sur ce que vous faites avec vos lignes. Et malheureusement, je n'aurai pas le puits pour terminer la tentative. Tant pis. 80 de puits ici, alors la vita, elle va être un petit peu embêtante. Il va falloir, je pense. Alors, est-ce que je veux ou pas? Là, en fait, c'est compliqué comme valeur parce qu'il faudrait idéalement que je puisse. Il faudrait une pavie, une ravie et enlever l'over. Ou alors deux ravis pour over, mais on va avoir un énorme over et ça risque vraiment de défoncer le puits. Donc là, dans le cas présent, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt partir sur un G over vita une fois qu'il sera remonté. Je pense que c'est plus sage, parce que sinon j'ai quasiment aucune chance de conclure. Alors, moins 10 là-dessus déjà, bon. Moins 18. Il reste quoi à remonter? Il restera 3 de poux à passer. On va priser pour avoir du crit, hein, concrètement, comme d'hab. En fait, c'est ce genre d'affaire, il faut le faire au crit à la pas de poux. Hein. Ouais, bah, il suffisait d'en parler pour que. Ça ne passe pas. 81 de puits là-dessus. Une fois de plus, je vais garder la vita pour la fin. On verra ce qu'on en fait en fonction de ce qui se passe. Je vais commencer cette fois-ci par les pas de poux. J'ai envie de changer un petit peu. Ok, ça passe bien. Moins 15. Bon, il reste le reste à faire, on a fait le plus dur quand même. Les deux terres, moins 5, les deux feux sacrites. Moins 9. Allez, la petite récrie, moins 12, ok, on n'est pas trop mal. On a 40 de puits, on a 4 avis là. J'ai rien oublié, hein. 4 avis. Allez, c'est parti. Une qui passe. Alors maintenant, je peux soit. J'ai moins 10 là, sinon je peux enlever la vie. Ouais, avec 30 de puits restants, je vais quand même choisir d'enlever l'over. Et de partir en reste du coup. J'ai 30 de puits, donc j'aurai 5 tentats. Ça sert à rien, je récupère à tout prix le petit over, donc je vais tenter la rune faux. Pour enlever l'over. Moins 6 et moins 5. Ok. Donc on a 5 tentats restés. Le FM va-t-il se terminer sur cette superbe tenta? Le G est très très propre, hein. Franchement là c'est pas mal du tout. 5 tentas, allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, oh, franchement si j'ai le PM je suis content. Bon c'est que 2% sur plus PM, mais par rapport à l'item et tout. Qu'est-ce que vous en pensez là dans le chat? Je le passe ou pas? Allez le PM. Ah putain. 83 depuis ici. Ouais, il va falloir mettre les deux poux à 22. Moins 15. Il va falloir. Allez, on va les mettre à 25 tout de suite, hein. On va être ambitieux. Ça passe. Les res R qui passent également. Moins 6. Qu'est-ce qu'on a remonté après? Bah, il y a la vita qu'il va falloir gérer, quoi. Le reste, ça va à peu près. 5, moins 10. Allez, la petite par écrit. Écrite. Il nous laisse 37 de puits. Je réfléchis à comment je vais gérer mon truc. Si je sais compter, je vais arriver à 297 ici. Et ça, c'est pas mal. 5, 10, 6, moins 18. Et effectivement, je me suis pas trop trompé. Donc, à la ravie, on va aller chercher. Ah bah voilà, il aurait fallu au moins que ça passe avec un crit. Ah bah voilà, j'avais eu un doute sur ce que j'avais sous la ligne ici. En revanche, là, j'ai clairement pas 10 de restant. Donc, bah dommage, hein. Dommage. 87 depuis là-dessus. Alors, encore une fois, la vitalité, je vais la laisser pour la fin.
Pas, j'allais dire. Ou alors j'essaie d'enlever avec. Il faudrait que j'ai un moins 11 avec une récri. Ouais, ça m'embête un peu quand même. On va tester. La ravie. Moins 20. Et si je peux avoir un moins 11 à la récri, c'est parfait. Ah bah voilà. J'ai de demander. On va monter les récris maintenant qu'on est dessus. On est à moins 6. Ok, ça commence plutôt bien dans l'ensemble. Va avoir un beau jet qui va arriver là. On a le crit sur la force. Et comme d'hab, hein, c'est les deux poux qui vont être déterminantes. Allez. On est tout évoqué. Putain, les 450-50, c'est joli là. Hein. Allez, deux poux, sois avec nous, s'il te plaît. Ça passe, moins 15. Bon, bah, il va nous falloir un petit crit à la pas de poux et puis on sera bien. Que dire de plus? Ben voilà. Pouah! Le pied. 41 de puits. Est-ce qu'on n'y aurait pas un petit puits résiduel d'avant? Ce serait vraiment génial ça. Là, j'ai eu un moins reliquat, c'était sur une force. A priori, j'ai eu moins 1, ouais, impossible que j'ai du puits avant. Donc, il va nous falloir un petit crit sur une runini, par exemple. Allez, un petit crit là. Jusque-là, j'ai annoncé des choses, à chaque fois ça s'est bien passé. J'ai annoncé 11 vita qui tombe, j'ai eu le 11 vita qui est tombé. J'ai annoncé double crit à la voix de poux, c'est arrivé. Je peux avoir un crit sur l'ini. Ah, j'y ai cru. Ah, bah, bien ça. Bah, j'ai plus qu'à aller racheter des runes inip, on va continuer à tenter. Hein. Si j'ai un crit là, je gagne encore une tente. Hein. Je peux aller jusqu'à 60 inip comme ça, concrètement. Allez, lâchez un like pour m'aider à avoir le PM derrière tout ça. En vrai, même si j'ai juste un PM, juste 1%, pardon, ça me suffira. Hein. Allez, on va reprendre les petites runes inip qui ne servent à rien d'autre qu'à enlever le puits en général. Ou essayer de choper un de puits. Là, de sacrés dons Tipeee là. J'en ai eu qu'un de un peu conséquent, sinon mais c'est. Je sais pas, je. Non, je trouve que j'en ai pas eu des masses. Une refonte Steamer serait bienvenue sur le jeu, même gameplay depuis 2012 quand on y pense. Oh, je suis pas sûr de ça. Je connais pas assez pour vraiment m'exprimer là-dessus. Bref, allez. Oh, toujours pas. Ok, là je l'ai perdu. Et là, pour le coup, bah tant pis. Hein. J'ai donc 6 Tantarez. J'ai pas grand chose que je peux faire avec ce qui me reste. Ah, quoique, attendez, j'ai moins 4. Là, je suis à 37. Donc en fait, j'ai 40 de puits qui me servent à rien. Donc techniquement, je peux faire une Tanta Sagesse. Qui devrait m'enlever les 30 inis. Je vais garder quand même. Ouais, je vais faire ça. Je peux tenter une rune ça, ce qui peut me permettre de passer à 34. Voilà, je perds les 30 inis, mais de toute façon, j'ai que 6 Tanta derrière. Enfin, que c'est pas mal, hein, franchement, sur ce G. Allez. Ma vie, c'est de la merde. C'est bien de plus. Allez, on va tenter le crit sur la reste distance. Bon, tant pis. 89 depuis là-dessus. On va commencer par la Vita. J'avais passé les deux poux à 22 juste avant. Et par chance, c'est resté comme ça. Donc ça nous met plutôt bien. On a moins 10 ici. Je vais tenter d'avoir le moins 6 à l'ini. Ce serait bien. Oh, décidément, ça se passe bien en ce moment. Allez, une, deux, trois, quatre, moins 12. Je rêve ou on va avoir un G-perf là? Ok, on est à moins 24 pour les paires écrits. 43 restants, et ben il nous faudrait juste à. Oh putain, mais j'avais un G-perf quoi! J'avais un G-perf, j'avais la vie, la force, l'intel, la sagesse, perf. 87 depuis ici. Je vais garder la vita pour la fin. On va commencer par les deux poux. 5. C'est les trucs les plus violents. Ok, moins 30, ça passe à peu près. Dommage terre, dommage feu. 10. La sagesse on touche pas. Écrit, moins 2. Moins 18, bah décidément on a tout en succès neutre. 22 de puits restants, qu'est-ce qu'on fait avec les 22 de puits restants, je vous le demande. On peut partir sur une double ravie.
Auquel cas, il va falloir qu'on voit ce qu'on fait des deux puits. Hein. Je pense que j'avais pas de puits résiduels d'avant, hein, donc je dois vraiment avoir 22 là. Il est tombé où le PM? Il est tombé là, ouais. Ouais, là, à mon avis, c'est très très peu probable que j'ai qu'il y ait du puits restant. Là, j'ai eu un plus 1. Là, j'ai eu un moins 4. Ouais, non, à tous les coups, j'ai plus rien. Donc, j'ai deux de puits en rab et je vais avoir deux tentes à ravi. Donc, on va partir sur double rune innée. Pour qu'on puisse choper le 59. Et deux ravis. Voilà, j'en ai une qui passe. Si j'ai le PM, ça me va comme j'ai, c'est pas mal. Ah, bah cool! Bah voilà! Petit live, c'est bien, j'ai fait quoi? J'ai fait déjà 3 lives de plus de 2 heures sur ces bots, et puis là, au bout de 2 minutes, premier puits PM, ça passe. Et bah écoutez, voilà, c'est comme quoi la FM, hein, c'est très aléatoire. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce G? Bon, c'est correct, c'est jouable, c'est pas dingue, il n'y a pas les deux neutres hein, comme c'est pour un steamer de poux. Donc on n'est pas sur une item incroyable hein, qui vraiment correspond au fait que on est sur un puits PM, on voulait juste un truc propre avec un petit over ou un petit exo quelque part, mais ça m'a pris un temps fou, c'est vraiment étonnant que j'ai pas eu de chance quoi. Bon voilà, il y a les deux soins, il y a les 25 de poux. On a les 30 récris, un over vita qui est quand même assez conséquent. Enfin, ça fait à peu près 1% hein, en termes de puits, c'est un tout petit peu plus qu'1%. Mais voilà. Bah écoutez, c'est jouable, donc on va pouvoir passer à la suite. Pour la vidéo de compilation du FM sur les bots, du coup, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si peut-être vous aussi vous avez galéré sur ces bots, et puis j'en ferai peut-être d'autres en allant chercher cette fois-ci les deux neutres avec. Puisque là, je n'avais pas besoin, mais pourquoi pas. Mais je pense qu'avec les deux neutres, hein, ça doit être vraiment délicat à faire. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt!